Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, ici Aziz, bienvenue dans un nouvel épisode de Dealer de Métal, la chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle métal, la chaîne où on parle de tous ses dérivés. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Bonjour à tous. Bah déjà, qui es-tu? Je suis Lucas, le batteur de Bad Situation et le super copain d'Aziz. Oui, c'est lui. Vous l'avez tous reconnu, c'est Scred. Donc aujourd'hui, si on fait cette vidéo ensemble, c'est parce que on a sorti un CD. T'as sorti un CD? J'ai sorti, t'as on sorti a... aussi. Ouais, on a sorti un CD qui s'appelle Electrify Me. Petit extrait. Dans cet extrait là, vous avez pu voir qu'on fait de la musique fort. On s'était dit, et pourquoi pas faire un challenge où en gros les gens feraient un petit solo. Ouais. Et celui qui gagne, il gagne un micro P90 que j'ai designé avec Sully de Hepcat. Pour le référencement de cette vidéo, bah c'est hyper intéressant, tu devrais faire une chaîne YouTube. Mettez en commentaire, que vous soyez participant ou pas, si vous êtes autodidacte ou si vous avez pris des cours, peu importe si vous êtes batteur, machin, parce que je pense que la vidéo va pas parler que le guitariste, tu vois. Mettez en commentaire l'instrument que vous faites et si vous avez pris des cours ou pas. Il y a eu pas mal de candidatures. Ouais. Et en fait, là, je t'ai fait une petite sélection. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de voilà. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, là, on a une petite dizaine. Donc, c'est toi, je pense, qui va sélectionner. Ok. Genre le gagnant. Parce que moi, je te le dis tout de suite, bah, en fait, j'ai dû faire la sélection et j'ai déjà le seum. Okay. De la vidéo, du niveau des gars. En fait, il a l'impression. Ouais, j'ai l'impression de. J'ai pas envie que tu me quittes. Donc, c'est parti, t'es chaud. Je suis trop chaud. Let's go. Donc en fait ça commence comme ça. C'est en ça où je te dis je pense que je vais sauter du groupe. Ah putain, c'est trop stylé. Voilà, donc ça c'est juste le premier. C'est trop stylé, vraiment il fait l'harmonie, c'est hyper stylé. Voilà, donc on est sur ce niveau là de guitare. Là, déjà, juste en quelques mots, qu'est-ce que t'en as pensé là? Là ça tue, ça met une couleur. Il y a une petite couleur. Bien la petite couleur qu'il a rajoutée à l'instru, ouais. À la fin là dans la deuxième partie, c'est hyper intéressant les petites harmonies. Ah, il y a un petit peu de guitare héros là-dedans, j'aime bien. Ouais, il y a du gros accompagnement. Et puis il y a un petit montage, et franchement, c'est ouais. Bien, c'est bien branlé. Hein, ouais, cool. Ouais. Au suivant, hein. De solo, c'est cool. Ouais. Là, on était plus. Enfin, c'est stylé. J'aime bien parce que c'était plus sur du phrasé mélodique là, plus ouais. Que, genre. On n'est pas dans limite, le solo. Limite un contre-champ à la guitare. Ouais. C'est intéressant. Dans ce que j'aimais dans la prestation du gars, c'est que déjà sa Telecaster à défonce. J'ai l'impression que c'est un peu plus mon jeu de guitare comparé ouais. Au gars d'avant, tu vois. Donc je m'y retrouve un petit peu plus. C'est plus rythmique que solo. Mais ouais. Ça ne ressemble plus en tout cas dans notre manière de composer, donc c'est cool. C'est ça. On enchaîne. Et là, t-shirt Metallica, il a gagné. Voilà. On a pas écouté, c'est gagné. Belgrade, bon jeu, t-shirt ouais. Metallica. Ouais, petit côté ZZ Top, ça met un petit peu plus rock à l'ancienne. Là, t'es dans du big rock un peu à l'ancienne, c'est cool. Enfin, tu vois, c'est ça où je trouve ça intéressant, c'est que du coup, les mecs, ils se sont réappropriés le titre, quoi. En fait, ils tapent vraiment des couleurs. Ouais.
En fait, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Genre... Ouais. Mais tu vois, c'est là où tu te rends compte que c'est compliqué de composer un truc, parce que si tu t'arrêtes pas, tu peux toujours ajouter quelque chose de différent. Du coup, tu vois, par exemple, admettons, moi je me présente dans le concours avec le solo que j'ai fait, qui est le solo original. Est-ce que ça passerait, tu vois, ouais, parmi tout... Oui, est-ce que, ouais, ouais, tu vois, est-ce que c'est celui-là que tu sélectionnes si tu... Ouais, c'est clair. C'est hyper dur. Au suivant. Let's go, man. Là, c'est générique Pokémon, j'aime voilà. trop, moi. Tu vois, je regarde les vidéos. Et en plus, il a même pas de tigron sur sa guitare, il sait même pas où qu'il joue. Hyper cool de vous voir vous réapproprier le titre comme ça. C'est... Tu vois, ce qui me donne envie, moi, c'est genre, admettons, je sais pas, les mecs où ils habitent, tu vois. Mais en fait, tu joues Out of Control. Genre, juste pour un titre, les mecs viennent jouer. Ah, grave. Tu vois, genre en live. Et en fait, c'est tous les solos en même temps. C'est un gros bordel. C'est pas con. Oh, comme ça, j'ai des idées comme ça, mais... Là, dans les quatre, t'arrives à décider ou pas? C'est compliqué. Là, j'ai des petites préférences. Le prochain, j'aime beaucoup parce que il joue de la guitare dans un style qui est le nôtre, mais il a un bonheur, Elson. L'ouverture d'esprit du prochain candidat. Vibrato, le Floyd, il a joué de la tige. Ah, il a joué. C'est stylé. T'as vu dans ses doigts, de la manière dont il joue, il a l'air d'avoir des grands doigts et tu sais, ouais. Il fait des écarts. Mais ça, j'étais assez impressionné. Il faut que j'avoue quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de regarder chez vous, du coup, en fait. Parce que je regarde ce qu'il y a sur les tables basses. Je suis désolé. Alors faites gaffe à ce que vous mettez parce que je suis hyper curieux. Et alors, du coup, je scrute vos apparts, mais d'une face. Tu vois, il y a trois vidéos, je sais qu'il y avait un cabas par terre, un petit panier. C'est vrai? Oui, je l'ai vu. J'ai pas choisi en fonction de la déco. Ouais. On enchaîne. Le mec, je kiffe. Il a continué à faire le solo ouais. alors que c'était fini. Ouais, mais ça, tu vois. Il y en a qui sont arrêtés à temps dans vraiment la formule ouais. rythmique du solo. Il y en a quelques-uns qui ont continué. J'avoue que. On va pas juger là-dessus parce que du coup, c'était sur la partie solo. Il y en a qui ont débordé du mandala. Moi, j'aime bien du coup parce que ça m'apporte vraiment quelque chose sur la couleur du. Ah bah ouais. Du refrain en plus. Là, il y a un jeu particulier qu'on n'a pas eu depuis le début, un petit peu. Il y a le nombre de notes à la seconde, ouais. quoi. Avec des notes qui sortent un petit peu, qui ouais. ont un petit côté Kerkhamet dans le délire, je trouve. Thank you.
Il est fier de lui. J'aime toi. Putain, mais je suis bon, dit, merde. Putain, qu'est-ce que je suis bon. T'es mal à la taille de cette queue. Soyez satisfait de ce que vous faites, c'est très bien. Grave. J'adore. C'est bon. Ouais. Ouais, franchement. Je peux aller me coucher. C'est après, il a fait un. Eh, t'en vas. Là, il faisait cuire l'eau de ses pattes entre un moment où il l'a mis avec sa boue, il a dit oh, je vais faire une prise. Bon, je vais faire le truc de l'autre con là. Au suivant. Tu sais quoi, c'est, du coup, c'est chiant, vous êtes chiant parce que je me dis finalement, ah, du coup, est-ce qu'on aurait dû continuer ce solo plus ouais. Solo. Parce que tu vois, quand cinq ça continue derrière, de solo. C'est vrai que les solos chez les autres, c'est un peu comme les enfants. C'est pas mal. C'est pas mal. Faut savoir les gérer. Comment on peut départager ça? Parce que là, franchement, c'est. Moi, j'ai c'est pas dur, pu. Hein. J'ai pas c'est pu. Très chaud en tout cas, c'est cool, c'est hyper cool. Ce qui est dommage, tu vois, c'est qu'il n'y ait pas eu de filles. La prochaine fois, j'aimerais qu'il y ait des nanas, tu vois. Carrément. Ok, donc on n'a pas réussi à sélectionner. Du coup, on a tout re-regardé. Ouais. Mais genre vraiment tout. Et vous êtes très chaud. Vous êtes déjà très très chaud. Et j'arrive toujours pas à me décider. Si on donnait c'est un dur. Gagnant parce que ouais. Vraiment c'est vous êtes vraiment tous très très chaud. Plein de couleurs différentes, plein de styles différents. Merci d'avoir participé. Bravo. Moi j'aime beaucoup la guitare orange. Zach Wild. Zach Wild. Ouais. Ça c'est très très cool. C'est un peu dans la veine de ce qu'on fait aussi, un côté big rock. Après un énorme débat et après une revérification de on a demandé la VAR comme ça. Ouais. Allez-y. Ouais. Ace cover. Tu as gagné le concours organisé par Bad Situation, Epcat, dealer de métal. T'as gagné le droit d'avoir un P90. Donc j'espère que t'as des guitares qui ont besoin de P90 et que tu feras des super solos comme t'as pu faire à l'avenir avec ce micro-là de Epcat. Ce que j'attends, c'est un petit message sur mon compte Instagram parce que je vais avoir besoin de ton adresse, tes coordonnées, etc. pour qu'on puisse t'envoyer ton dû. Félicitations à tous les participants. Ouais, c'était très cool. À toute la trentaine de personnes que j'ai reçues, c'était vraiment très très dur. Surtout que il y a eu un petit complexe d'infériorité. Je vais pas le cacher. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Merci Lucas d'avoir fait ta première vidéo. Il commence à apparaître de plus en plus. Hein. Attention, il va lancer sa chaîne bientôt. Donc, on vous laisse là. Et puis, kiffez bien. Et puis on se dit à très vite pour encore plus de métal. Ciao.